Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment transférer vos crypto-monnaies de votre portefeuille Binance vers votre portefeuille MEXC Global. Alors, ce dont vous avez besoin d'abord les amis, c'est de votre adresse de crypto-monnaie. Et si on va faire une transaction d'USDT, donc pour avoir les USDT, ce que vous avez à faire, c'est de venir dans votre portefeuille MXC Global, vous cliquez sur Wallet. Ensuite, vous venez dans Spot. Et dans Spot, vous sélectionnez Deposit. Après avoir sélectionné Deposit, vous allez sélectionnez la crypto que vous voulez recevoir, donc ce sont les USDT. Vous sélectionnez le réseau, donc voilà, vous pouvez le recevoir des différents réseaux. Voilà, je vais sélectionner le BSC BEP20, voilà, parce que les frais sont réduits pour recevoir un BEP20. Et vous cliquez ensuite sur générer l'adresse. Voilà. Cliquez sur Click to Generate Address. Là, vous pouvez voir l'adresse de réception. Ce que vous avez à faire, c'est soit de scanner le QR code ou alors de copier simplement en cliquant sur cette petite icône. Voilà. Quand c'est fait, vous allez dans votre portefeuille Binance. Vous allez aussi dans portefeuille et là, vous allez faire un retrait du SDT. Voilà. Et vous cliquez sur envoyer crypto, vous collez l'adresse de MXC Global au niveau de l'adresse, vous sélectionnez le réseau, il doit être équivalent au réseau sur MXC Global qui est BEP20, sélectionnez le réseau BEP20, ok. Ensuite, vous mettez le montant, voilà, ici on va faire genre 80$ par exemple, ok. Voilà, 80. Ensuite, on clique retrait, on confirme notre retrait. Donc, vous confirmez votre transaction. Ensuite, vous validez simplement votre retrait après avoir tapé les différents codes de vérification. Et dans les 5 minutes qui suivent, vous allez recevoir vos cryptos dans votre compte MXC Global. On va vérifier ça. Ok les amis, vous pouvez voir là que j'ai effectivement reçu mes USDT sur le réseau BSC Binance Smart Chain. Voilà, donc ils sont parfaitement arrivés. Vous voyez que les transactions sont assez aisées sur MXC Global. Alors si tu n'as pas encore un compte sur MXC Global, je vais t'inviter à en créer un. Tu trouveras le lien en description de la vidéo et en commentaire. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas de me les laisser en commentaire. Alors n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Ciao, ciao!